Bonjour, on se retrouve pour la réalisation de notre carte de fête des mères, la deuxième partie. Donc, dans la première partie, vous aviez réalisé une des deux œuvres ici. Vous allez maintenant donc retourner le derrière de la carte, mais avant tout, écoutons un petit poème que les enfants vont devoir apprendre pour leur maman. C'est parti! Maman, devine ce que j'ai caché. Un bisou pour ta joue. Un baiser pour ton nez et plein de fleurs pour ton cœur. Bonne fête, maman. Voilà, une fois que vous avez visionné la vidéo, vous pouvez le faire apprendre ce très très court poème à votre enfant. Ensuite, on reprend notre carte. Donc, je vous ai envoyé ni plus ni moins que voilà, cette feuille-là imprimée. Donc c'est le poème avec en dessous des étiquettes. Et ça, ces étiquettes-là seront exclusivement pour les petits. Donc vous imprimez, si vous le pouvez, ce poème et vous découpez les étiquettes pour les petits. Ensuite, donc vous aviez fait soit une carte en format paysage, soit une carte en format portrait. Donc les étapes sont strictement les mêmes. Pour le format paysage, vous pouvez imprimer la page du poème entier avec la maman à côté. Pour le format portrait, il y a moins de place. Je vous conseille juste d'imprimer la version où il n'y a que le poème. Donc, il faudra donc découper, coller le poème. Pour les moyens qui vont écrire, vous allez tracer en dessous deux lignes au crayon de papier tout fin. Je les espace moi de 2 cm, pas plus. Et vous ferez écrire à votre enfant Bonne fête, maman. Et pour les petits, eh bien, vous leur faites coller les étiquettes que vous avez découpées. Voilà, et une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez effacer les traits de crayon. Et c'est fini. Et ensuite, je pense qu'on peut finir par une grande séance de câlinothérapie. Allez, bonne fête à toutes les mamans. À bientôt.